Ouais, c'est long, Chris. Je sais pas qu'est-ce que la famille a fait, là. J'espère que c'est pas la tempête. Toi, cousin, ton sel, marche-tu? Non, il marche pas non plus, là. Je sais pas ce qui se passe avec les réseaux. Un peu de vin en attendant, là. On se fait du fun entre cousin-cousine. Ouais. Alors, ça fait 3 heures qu'on les attend, là. Je commence à avoir faim. C'était fait comme bouffe. Ah, c'est un secret. Hey, arrête de niaiser, esti, là. J'ai faim, je te dis. Tu me fais boire tellement de vin depuis tantôt, là. Je vais finir à 4 pattes avant que tout le monde arrive, là. Je vais vraiment mélanger ça avec un peu de bouffe, là. Ben, il y a des huîtres. Ah. Ouais, j'aime pas bien ça, des huîtres. Qu'est-ce que t'as d'autre? Hein? Qu'est-ce que t'as d'autre comme bouffe? Du chocolat. Mais là, pas avant le souper, là. T'as quoi d'autre? Hmm? Tu me niaises-tu ici? J'ai de la crème fouettée. Cool, cousin. T'as-tu fait au moins ce qu'on t'a demandé? C'est-à-dire faire un souper? Oh oui, je m'en suis occupé, mais comme je t'ai dit, là, j'ai été l'acheter, je l'ai pas fait. Ok. T'as acheté quoi? Hein? Hey, c'est Chris! Ben, j'ai acheté ce que je te parlais, là. Quoi? T'as-tu pété une fuse ou quoi, là? T'as-tu vraiment juste acheté de la crème fouettée, du chocolat et des huîtres? Non, mais par exemple, si tu veux plus de vin, y'a pas de problème, hein? J'ai été dans une petite boutique spécialisée. Non, mais c'est parce que moi je te parle de bouffe. Petite boutique spécialisée. Puis ça, là, tu vois, t'as juste à mettre ça dans ton vin, c'est excellent. Tu mélanges non, ça. Non, attends, peux-tu savoir c'est quoi avant que t'en mettes dans mon verre? C'est pas important, non. Ça fait que tu mets ça dans non, ton mais, verre. Attends, donne-moi ça. Le filtre de l'amour d'Aphrodite. Attends, tu peux-tu t'expliquer, s'il te plaît? Je... Non. Je pense que je suis mal à l'aise, là. Quand c'est le souper, je me sens pas super bien. Oui, oui, je vais te donner ton cadeau puis je vais m'en aller. Wow, un livre sur le tennis. Bon, donne-moi bien que je décalisse. Je pense que je l'ai laissé à John. Tu me l'as montré en arrivant. Tu m'as dit que t'avais hâte que je l'ouvre, puis que t'avais pensé à moi. Wow, ok. Je sais pas quoi dire. Tiens, prends-le, il est au pied de l'arbre. En tout cas, ton cadeau, il sent marde. Tu trouves qu'elle n'aboie plus? Mais là, ça sent littéralement le caca. Ok, ok. Dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, ouvre pas la boîte. Mais là, j'ai bien le droit d'avoir mon cadeau. Non, regarde! S'il te plaît, n'ouvre pas. Il y a des choses qui devraient rester dans l'ombre, ok? Donne-moi un instant, là. Je vais arrêter le brouilleur d'ombre. Le quoi? C'est pas important, ok?
peux appeler. C'est ça qui compte. Check. J'ai le numéro de grand-maman qui est là. J'ai l'horaire d'autobus. Tu vas pouvoir appeler ta mère qui est là. Le numéro de taxi, c'est super bien fait, ces affaires-là. T'es un esti malade. C'était quoi ton but à soir, là? Tu voulais me saouler puis coucher avec moi? Absolument. On va pas commencer à jouer ça ici ta soir, ok? Là. Voilà. Je suis un homme de principe. Puis ça, y a personne qui va venir. Mais... Arc! Ton cadeau est cool! Je pense que je vais être malade. Tu joues avec moi, cousine, hein? Toi, là, tu te naïves, hein? Tu penses que quand on s'amusait à se barrer du fudge d'en face, ça me laisse indifférent? De quoi tu parles? Non, 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 c'est beau, hein? Je pense que je me suis fait assez niaiser de même. Décris. Hein? Hey, dis-le pas à famille, s'il te plaît.